Maintenant, les bras. Je sais que j'ai un bras et j'ai aussi le chandail. Peut-être que je voudrais tout simplement m'occuper de la partie où j'ai un chandail. Ben, un t-shirt. L'autre manche. Maintenant, pour les bras, on est obligé de faire une couture à quelque part. Ce sera à vous de décider à quel endroit vous voulez avoir votre couture. Si vous faites la texture dans Photoshop, il y a des chances qu'on voit la séparation directement à cet endroit-là. Donc, moi, très souvent, j'y vais à l'endroit où est-ce qu'on voit le moins le bras. Ça va être à peu près ici. Donc, je double-clique. Donc maintenant, je peux faire un test pour mon jacket. L'avantage de placer nos UV d'un côté, ceux qui sont faits, c'est qu'après ça, quand je veux sélectionner tout, qu'est-ce qui n'est pas fait, ben, j'ai seulement à venir dans mon UV Editor, puis là, je fais une désélection de cette partie-là, et là, je vois qu'il a sélectionné juste les bras. Parce que dans le fond, j'ai enlevé la sélection de ce que j'avais déjà fait. Je vais faire mon peel. Et voilà, donc j'ai les bras, le dessous, dans le fond, l'intérieur de mes gants. Et j'ai mes doigts séparés. Donc ça, c'est peut-être les doigts de ce côté-ci. Ouais. Donc présentement, j'ai tout le haut de mon personnage. On va faire ça, je crois que c'est vide. Ouais. Ça va être rapide. Tout simplement faire un quick peel. Même chose pour l'autre. Voilà. C'est bizarre qu'il y en a un qui fasse d'une taille, puis l'autre il fait d'une autre taille. Pardon. Donc pour les jambes, ça va être la même chose. Qu'est-ce qu'on fait tout en large? Je regarde à quel endroit est-ce que je vais avoir un changement de couleur pour la texture. Donc ma jambe va entrer à l'intérieur de la botte. Donc ce qui veut dire que je voudrais que ça vienne jusque. Est-ce que je lui mets des bas? Je vais lui mettre des bas. Wow.
Ça ici, ça va être le tour de ma jambe. Simplement désélectionner ça. Voilà. Faire la même chose de ce côté-ci. Je vais faire un seam à l'intérieur de la jambe.